Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série GDScript, les bases pour débutants. Alors aujourd'hui, on va rajouter un petit peu nos items maintenant, histoire de pouvoir ensuite faire varier notre HUD et puis notre comportement de jeu. Donc, comment ça va se passer? Il va falloir en fait, au moment où je détruis une brique, enfin un système de briques, que de temps en temps apparaissent ici des items aux emplacements où étaient les briques. Alors, ça sera pas sur les... Je pense pas le faire sur les ennemis, je pense le faire vraiment sur ce système de briques. C'est comme ça dans Bomberman habituellement. Quoi qu'on pourrait aussi le rajouter, après tout, ça serait pas compliqué à rajouter une fois qu'on a le principe. On pourrait très bien aussi le faire ajouter au niveau des ennemis. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, je vais rajouter bien sûr un nouveau sprite contenant les items. C'est celui-ci. Donc, sprite, on va l'agrandir parce que sinon il va me le décaler. On revient là. Tac. Je prends celui-ci. Tac, ça le remplace. Je le réimporte comme d'habitude en 2D pixels. Réimporter parce qu'en fait voilà ce que j'ai rajouté donc un petit item pour les boosts, un petit item pour les bombes, un petit item de speed. Je pense que j'en avais peut-être pas parlé, je l'ai pas mis volontairement dans le HUD parce que après tout on verra bien que notre player marche un petit peu plus vite qu'avant. Et un système de cœur, donc ça sera pas forcément une nouvelle vie, ça sera tout simplement un cœur, et au bout de 4 cœurs on récupérera une vie. Et ensuite, j'ai juste fait une petite ombre comme ça qu'on va rajouter dessous parce qu'on va créer une légère animation. Ce dont je me souvenais pas, c'est qu'on avait déjà effectivement un système d'items. On avait l'ancien item, et d'ailleurs qui est en soi fonctionnel encore, hein, qui comportait donc un area 2D, un sprite et un collision shape. Donc je dirais, on a tout, et puis là, il a son propre script. Donc ça, par contre, on n'en a plus réellement besoin, le Ruby cœur, etc. Ça, je vais le faire différemment. L'export non plus. Enfin, j'ai plus besoin de grand-chose, vous me direz. Et même tout ça, j'en ai plus vraiment besoin. Je conserve juste la position, puisque après tout, la condition start sera la même. Et là, par contre, ce qu'on va faire, on va faire un var type seulement. On va juste l'appeler type. Et ici, je vais lui retourner emit signal loot, parce que j'ai déjà le signal là, donc autant s'en servir. Et le QFree derrière qui se fait. Donc bon, on a quand même enlevé pas mal de choses. Allez, on va s'occuper rapidement de modifier un petit peu tout ça. Alors, je vais récupérer mon sprite sheet et je le mets à l'intérieur. Tac. Et donc, je vais aller chercher le premier, histoire de le matérialiser en visuel. Donc là, au niveau des frames, donc là, j'avais... Est-ce que je le fais? Non, je ne vais pas le faire en région. Je voulais peut-être jamais montrer la région. Je vous le montre rapidement. Je pense l'avoir déjà fait, mais bon, je vous le montre rapidement. Si on active la région ici, là, ce n'est pas le même système que les frames, mais ça permet aussi de prendre un seul bout, enfin une seule région, hein, de notre image, en fait. C'est-à-dire que là, il suffit de caler le pas, de mettre en mode grille, ici, grid snap, de mettre la grille au pas exact, donc 64 par 64, et après de sélectionner une partie comme ça. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je sélectionne une partie, tac, je tiens cliqué comme ça, et je peux très bien récupérer n'importe quoi au niveau de tout ça. Là, par exemple, si je prends tout ça, il mettra les 4. Vous voyez? Donc là, on aurait pu prendre celui-ci. Mais là, je ne vais pas activer ce système-là, je vais rester dans le mode région, c'est plus simple, parce que sinon, c'est des coordonnées en rectangle qu'il faut récupérer, en fait. La position et la taille du rectangle. Donc moi, en fait, je vais plutôt gérer au niveau de la région, au niveau de l'animation, c'est plus simple pour moi. Donc, 8, 8, et donc c'est 48, je pense. 48, voilà. Donc par contre, il me paraît petit. Effectivement, on avait un scale, on avait mis un scale plus petit. Donc on va remettre le scale à 1 et le scale à 1. Et puis bah, après tout, le collision shape, même si c'est un rond, ça n'a pas grosse importance puisque de toute façon, il fait la taille. Donc à peine on va le toucher, ça va marcher aussi. Bon, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous pouvez le remplacer par un carré. Il suffit de ici de changer le type de truc.
Donc ça, c'est notre SPR. D'ailleurs, qu'est-ce que... Ah oui, c'était la rotation, ça. Bon, on verra si on le laisse ou pas, la rotation. J'avais un vieux script rotating, là, qui traînait aussi. Donc ça, est-ce qu'on le laisse ou on peut l'enlever? Donc si on veut l'enlever, on n'a plus qu'à faire remove ici, enlever le script au niveau de cette, du sprite. Je vais rajouter l'ombre. Donc, on va rajouter un sprite. Sprite. Et donc pareil, au niveau de ce sprite-là, je vais lui mettre, donc là c'est la 48,56, logiquement. Donc animation. Là par contre, là effectivement, j'aurais pu le faire en tant que région. Région. Hop, texture région. Et j'ai plus qu'à lui passer. Je veux celui-ci. Là, parce que ça change pas, ça c'est statique. Donc autant le prendre comme ça. C'est plus simple. Et comme là il passe devant, je vais le mettre derrière le sprite pour qui se voit plus, enfin que ça fasse un effet d'ombre, mais qui ne cache pas mon élément. Ok. Donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Bon ben, allez, je vais le laisser comme ça. Je vais pas faire d'animation. On pourrait très bien faire une animation où ça sautille un petit peu. On pourrait faire un petit peu ce qu'on veut. Mais bon, après tout, j'ai déjà une animation de rotation. On va la garder. Sinon, c'était très simple. Vous rajoutez une animation player à 0, vous le laissez comme ça. À la moitié, par contre, de votre animation, vous le montez un peu, vous montez votre sprite, juste celui-ci, vous montez votre sprite de, je sais pas, 8 pixels et vous le redescendez après sur le dernier. Comme ça va faire un effet de montée ou descente. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ok, donc pour ça. Allez, j'enregistre un petit peu tout. Ctrl S, je sauvegarde. Donc là, le sprite, j'aurais pu quand même l'appeler Shadow pour qu'on comprenne. Je réenregistre et on est bon pour ça. Allez, ensuite, donc, une fois que j'ai ça, ben, va falloir que je le fasse spawner. Et c'est là où va être un petit peu la différence qu'on a habituellement avec le reste. C'est que d'habitude, ben, on le fait spawner automatiquement, ou alors c'est avant qu'on prévoit s'il doit spawner ou pas. Là, en fait, on va faire une méthode un petit peu différente. Ça va être assez marrant. Là, habituellement, ce qu'on renvoie, c'est un void, c'est-à-dire rien. On lui dit, ne renvoie rien, tu fais juste ton boulot, tu te positionnes, tu te mets en place, et puis bah, je renvoie, j'ai rien de spécial à renvoyer. Par contre, là, moi, ce que je vais lui dire, ben, après tout, c'est moi-même, en tant qu'objet, qui vais définir si je me transforme vraiment en item, ou si ou si j'ai pas envie, tout simplement, si j'ai pas envie. Donc là, en fait, lui, il va renvoyer un booléen. Et là, du moment que je lui renvoie un booléen, bah là, il me surligne, il me dit, bah, moi, je suis pas content parce que je dois retourner une valeur, en fait, quelque part. Donc là, pour l'instant, je vais dire, par return, return false. On va dire, pour l'instant, moi, j'ai pas envie de me mettre. Donc là, il est content, il renvoie quelque chose. Et au niveau de ma map, maintenant, au niveau de ma map, donc ça serait où? Ben, c'est tout à la fin. C'est ici en fait, quand on prenait la liste en fait des emplacements où on refaisait mettre de l'herbe à la place des briques, même des briques cassées, on lui disait remets-nous de l'herbe. Donc c'est là où je connais la position. Donc là je pourrais très bien lui dire maintenant item. Donc on va rajouter un nouvel item. Est-ce que je l'ai en déclaré quelque part d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas. Donc on va le rajouter. Hop. OnReady var item est égal à preload toc de item. Voilà. Donc maintenant j'ai mon item. On va mettre un petit espace. Et là. Par contre, là, je suis en position de tilemap, c'est-à-dire j'ai des positions qui seront de 0 à peut-être 20 de largeur. Donc là, il faut que je retransforme ça en position en map to world. Donc, je vais faire un var pose, je vais l'appeler pose, est égal à tac fond map. World, pourquoi il me le propose pas? Map to world de B. En fait, B de et à chaque fois une position. Il va lister les positions pour me mettre ici. D'ailleurs, on le voit ici dans le CLV, c'est bien une position. Donc maintenant, je tiens une position globale et non pas une position relative à un tilemap.
Et maintenant, j'ai plus qu'à dire, var i est égal à item.instance. Tac. Dans laquelle, maintenant, moi, j'ai ma méthode qui est start, pause. Du coup, j'ai pas besoin de type puisque c'est moi-même, en fait. C'est moi-même qui vais savoir quel type je vais poser. Donc, c'est pas la map qui va définir, en fait, quel type va poser. C'est moi-même. Je vais dire, après tout, moi, je vais dire, allez, aujourd'hui, je suis un cœur. Aujourd'hui, je suis rien. Aujourd'hui, je suis un boost, etc., etc. Donc, on a juste à lui passer i.start à sa position. Voilà. OK. Et donc, après, on retourne dans notre item. Je vais sauvegarder un petit peu tout ça. Sauvegarde. Et item. Donc, c'est là où maintenant, je vais lui mettre un petit peu mes conditions. Je vais lui dire, attends. Je vais me faire un petit random. Je vais faire un petit pourcentage. Et je vais... c'est là où je vais renvoyer quelque chose. Donc, on va se servir d'un système un peu comme ça. Je vais dire, de 0 à 10 sur 100, si tu tombes sur 0 à 10 sur 100, tu vas me rajouter un boost. Si de 10 à 20, tu vas me rajouter plutôt une bombe. De 20 à 30, un speed. Et de 30 à 35, donc là je l'ai fait volontairement plus petit pour qu'il y ait un peu moins de chance que le reste, tu vas me renvoyer un cœur. Et sinon, tout le reste, tu vas me renvoyer rien. C'est-à-dire que tu vas vraiment me renvoyer false. Et sinon, là, tu vas me renvoyer true. Ici, c'est bien le retour, ici. C'est bien le retour. Return. Tac. Donc là, on va le faire en algorithmie. C'est relativement simple. Donc là, en fait, on va lui dire... Donc, c'est à partir de 35. On a vu, c'est à partir de 35. De 35 à 100. Donc, on va créer d'abord notre premier random. Donc, on va faire un var r pour un random est égal à randy, parce que je veux un entier. Randy jusqu'à 100, enfin jusqu'à 99, parce qu'il prend jamais le dernier index, ça va le randy 100 va de 0 à 99. Donc là, je peux avoir 0 jusqu'à 99. Alors je vais dire if r est plus grand ou égal à 35, deux points, et bien là, notre return false, il est bon. Ok ? Par contre, là, maintenant, il est toujours pas content. Alors là, pourquoi? Pourtant, vous allez me dire, mais pourtant, il y a bien un return. Oui, mais le return n'est que dans une condition particulière. Par contre, si on est de 0 à 35, enfin, à 34, on va dire, il n'a rien à retourner. Et là, il n'est pas content, il me dit, moi, il faudrait absolument que je retourne quelque chose. Donc, on va lui dire, sinon, else, return true. Et là, il sera content, c'est-à-dire que là, maintenant, il va savoir, il va dire, OK, à partir de 35, moi, je renvoie que c'est pas bon, et en dessous de 35, je renvoie que c'est bon. Par contre, maintenant, c'est là où je vais dissocier un petit peu mes cas. Je vais encore faire un nouveau if à l'intérieur. Je vais dire, on va reprendre un petit peu notre départ, on va dire, je veux le 48, en fait, le sprite 48. Là, je veux le sprite 49, là, le sprite 50, et là, le sprite 51. Donc ça, c'est pas tellement compliqué à faire, de 0 à 10. 0 en ne prenant pas 10, en fait, de 0 à 9, de 10 à 20, etc., etc. Donc ça, on va le faire ici. On va se laisser un peu d'espace. If, donc, R, notre random, est plus grand ou égal à 0, et R plus petit que 10, deux points. Donc là, $, c'est SPR, c'est dollar SPR, pardon, SPR.frame, je sais pas pourquoi j'ai pas l'intellicence là, frame est égal à 48. D'accord? Donc là, ça va lui matérialiser que c'est un boost. Et je vais recopier tout ce code. Tac, on va juste aller là, clac, on va se mettre ici, on va recoller là. Donc là, maintenant, c'est à partir de 10, 10 inclus, tandis que là, 10 n'est pas inclus, jusqu'à 20 non inclus, ça sera le sprite 49. Hop, je reviens là, je copie. Donc là, 20 inclus, alors que là, il n'est pas inclus, jusqu'à 30 pas inclus. Hop, et encore une fois, donc là, c'est à partir de 30
inclus et non, là, c'est pas 40, j'avais dit 35. Pardon, 35 ici. Puisque là, du coup, le 35 n'est pas inclus, mais ici, le 35 est inclus. Donc, je ne loupe aucun élément. Et donc, mon return true, je le mets bien à la fin. Parce que c'est vraiment la dernière opération qu'il fait. Il doit d'abord traiter tout ça et ensuite renvoyer true. Si je mettais le return true ici, ben, tout ce bloc-là de code ne serait jamais exécuté. D'ailleurs, pourquoi là il n'est pas content? Tiens. Là, c'est plus une erreur de Godot parce que normalement, si ça il l'exécute pas, il n'y a pas trop de problème. Enfin bon, admettons, si je l'avais mis tout au début, tout le reste ne serait pas exécuté. Et est-ce que du coup, on a un petit peu tout pour poser nos items maintenant? Oui, du coup, maintenant, il faut que je les rajoute. Donc là, j'ai un start pose. Ce start pose, donc maintenant, on sait pertinemment que c'est un booléen. Il renvoie un booléen. Donc là, c'est là où je vais lui dire, bon, ben après tout, active ta fonction de start. Dis-moi, est-ce que tu vas me renvoyer quelque chose? Donc là, je vais lui dire varbou, pour un booléen, c'est istart. Donc lui, il va dire, ok, ben moi je fais mon choix, je dis je suis le 72. Donc je te renvoie rien en fait. Donc je vais dire if bou est vrai, donc par défaut, hein, if bou est vrai, dans ce cas-là, je vais traiter, je vais lui dire, ben, moi je t'ajoute add a child. Donc à moi-même, puisque là je serai dans la map, add child de i. Sinon, ben, je n'ai pas ajouté quelque chose qui est vide. Après tout, si l'item est vide, je n'ai pas à renvoyer. Je n'ai pas spécifiquement à renvoyer. D'accord? Donc là, normalement, ça devrait marcher comme ceci. Oh ben là, tiens, je suis bien coincé. Donc ça, c'est encore des problématiques qu'il va falloir résoudre plus tard. Il va falloir bien essayer de trouver un système pour faire spawner. Donc voilà. Ah oui, par contre, je n'ai pas pensé à ça. Il faut que je le décale un petit peu. Pourquoi il s'est mis là? Oui, donc c'est celui-ci, et là c'est celui-là. Donc il faut que je rajoute plus 32 à chaque fois. Donc là, on a bien des items random qui ont spawné. D'ailleurs, du coup, je ne peux pas les choper puisqu'il faut que je les décale. Alors, hop, donc là, je vais le faire directement dans l'item. Je vais lui mettre au niveau de la position. Là, j'avais juste pris position. Donc là, en fait, on va faire un vecteur 2. Vecteur 2, tac, avec position, position, point, alors, point, x plus 32 et position y plus 32 pour le décaler de sa moitié pour qu'il soit bien au bon endroit. Hop, on va en mettre un petit peu partout. Voilà, donc là ils apparaissent bien. J'ai bien mon petit effet de rotation qui est toujours là. Par contre, j'ai pas de signaux connectés, j'ai pas de choses comme ça. Je peux pas l'intercepter puisqu'effectivement maintenant il va falloir aussi que cet item. Donc item ici, je reviens dans la scène. Je vais lui préciser au niveau de son item directement, son layer. Du coup, j'ai pas créé pour lui. Donc au niveau du projet, on va retourner dans le général. On va tout en bas au niveau de 2D physique et je vais rajouter items. Tac. Comme ça, maintenant, je pourrais lui dire, toi, tu es un tac. Ben, je l'ai pas fait. Si? Yes? Ben alors, il l'a pas pris en compte. Est-ce qu'il faut que je sauvegarde? Je sais pas. Ah bon, c'est bon. Il n'avait pas refresh. Ok. Donc là, pardon, il faut que j'enlève aussi player. Ce n'est plus un player, c'est un item et seulement un item. Donc pour lui c'est bon, on va dire que c'est bon. Du coup ça en fait le masque, j'ai même pas besoin de lui préciser parce qu'en fait moi je suis un élément statique, c'est pas moi qui vais collisionner, hein, ce sera le player. Donc il faut aussi que j'aille dans le player et dans le player, dans la scène player, tac. Lui on va grandir un petit peu ça. Lui c'est au niveau de la hitbox en fait qu'il est capable de sentir la collision. Et donc là, je vais rajouter, bah, tu collisionnes aussi l'item. Puisque nous, dans l'item, on est capable de voir un body entered. Ah oui, par contre, c'est un body entered.
Alors là aussi, encore une dernière modification. Finalement, il y en a beaucoup dans cet item. J'aurais mieux fait de repartir à zéro, ça aurait été presque plus vite fait. Parce que là, en fait, notre item, c'est un area 2D, et notre player aussi, sa hitbox, c'est un area 2D. Donc ce n'est pas un body. C'est une différence vraiment entre un kinématique qui est un body, kinématique body d'ailleurs, c'est son nom, tandis que là, une R, c'est juste une matérialisation visuelle en fait, une matérialisation non physique. Donc là aussi, c'est pareil, notre item qui a une connexion, lui, qui a un signal qui est on body and red, ne marchera pas avec notre player. Il va falloir aussi lui dire, mais en fait, c'est dans area and red, c'est la hitbox. Donc c'est une R qui va collisionner avec toi. Donc c'est ici qu'il va falloir que je dise, au niveau de mon item, je fais bien la fonction onItem area unthread et je connecte. D'ailleurs, c'est exactement la même. Je peux conserver les deux, ça n'a aucune importance. Je peux très bien conserver les deux ici. Tac. Comme ça, même si un jour j'ai un autre item qui lui est vraiment un item physique, ben pourquoi pas, par exemple, l'explosion, elle, c'est un item physique. Ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire que même s'il y a une explosion qui vient toucher un item, ben, il pourrait détruire l'item. Ça pourrait être assez sympa aussi. Alors, ok, donc c'est pareil. Et là, ça devrait marcher. J'ai bien dû retrouver un petit peu mes loots et tout ça. Alors, on va se mettre là. Du coup, oh, je me coince. Ok, pas d'item. On va essayer de faire spawner des items quand même. Voilà, là il y en a qui sont apparus. Tac, donc là ils disparaissent bien. J'ai pas de signal qui est émis. Enfin, j'ai un signal qui est émis, mais qui n'est pas récupéré, je pense. Il est tout simplement pas récupéré par personne. Il va falloir que je le connecte. Mais ça, on verra après. Donc vous avez vu, cet épisode est quand même. On s'est servi d'un item qui existait déjà. Finalement, j'aurais mieux fait de repartir de zéro. Là, on a juste dissocié un petit peu nos types. Par contre, on n'est pas capable, en fait. Là, pour l'instant, le type, je le passe pas. Je ne suis pas encore capable de dire, bah, tiens, tu viens de récupérer un boost, tu viens de récupérer une bombe. Mais là, on va le faire dans le prochain épisode parce que ce sera une partie un peu plus spéciale. On va parler du global parce qu'en fait, on va passer beaucoup d'informations dans le global. C'est lui qui va traiter en fait tout ça. Mais je ne vais pas vous en dire mieux pour cet épisode. Là, c'était vraiment juste pour remettre en place un peu nos items. C'est vrai que là, il y a trois épisodes qui vont se suivre. Et qui sont un petit peu imbriqués les uns dans les autres, mais je suis obligé de couper parce que ça commence à faire des longues vidéos, et après on perd en attention. Allez, sur ce, bah, toujours pareil, n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord, et bah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!